Let's move. Let's go to support. So guys, bad review over here. I give a bad review. No service. They don't want us to sit in the back seat. So, what is it? Non, ils voulaient pas nous donner un booth. Et en plus, il y avait plein d'espace. Là, tout d'un coup, la musique est full fort. Puis ils sont jamais venus nous donner le menu. Pas le menu, mais. Ok, on va aller à ce point. Ouais. En plus, c'est full dark. C'est bon, mais quand même. Ouais, mais tu sais, quand même, là. T'as-tu vu l'enfant qui rentre, là, il va avoir mal aux oreilles. Un enfant de genre. Qui crème moi, là. Max. En moi. Puis il y avait une autre famille avec des enfants. Second try. Il y avait plein de booths libres de l'autre côté. Puis il y a un booth qui s'en allait. Un groupe de personnes ils s'en allaient. Fait que ça a fait un délibre après. Nous on en peut pas, on peut le prendre. C'est super. For rien. Interesting. All right, then. I got it. Thanks. All right. Thanks. All right. So, I lost my French question. Hi. Okay. See? Of course, I have to try the fried chicken. I'm gonna take the original. Oh, half. Half. Oh, much better than a Punjabi. Katsu. Do you want a sauce on the side? On the side. Yeah. We have two kinds of sauce. Sweet garlic sauce? Sweet and garlic sauce and sweet and spicy sauce. You want spicy meal? Sweet garlic. There is no sauce on the side. Oh, okay. Yeah. You can choose two kinds of sauce. Sweet garlic sauce and sweet spicy sauce. Okay. I like spicy. Spicy one? Yeah, sweet spicy. So, the 2 ones or 4 ones? 2 ones. Alright. Ici on a des pickles. Des pickles. Non, daikon. Daikon pickle. Kimchi. Just like riz,
Et bien sûr, beautiful. Sundubu, tofu, pork, stew. Beautiful. Ok. Combien bouchées, madame? Hein? Oh, casse l'œuf. Casse l'œuf. Casse l'œuf. Je veux que tu casses l'œuf. C'est bon. Ok. Ok. Enlève ta main. J'enlève ma main. J'ai ma main ici, guys. J'enlève ma main ici. Okay. Première bouchée. Oh my goodness. Je casse l'œuf. Tu peux faire ce que tu veux. C'est ta nourriture. Faut ne pas jouer avec la nourriture. T'es capable. T'es capable. Là, tu l'as vraiment mélangé. Là, c'est ça que je veux. Ok. C'est ça que le but de son goût. Tu mélanges là. Ah, ok. Ok, ok. Ok. Alright. Une grosse bouchée. Oh, le bouillon en premier. Ok, le bouillon en premier. Le bouillon en premier. Ok. C'est doux. C'est doux. Oh. C'est moi aussi. J'aime ça tout ce qui est doux. J'aime ça tout ce qui est tendre. C'est comment les concombres? Ça, c'est zucchini. Oh, zucchini. C'est vert. Je pensais que c'était pareil. Non. Ah ouais? T'as goûté? Oui. Attends, j'ai goûté le porc un peu. Wow. Je pensais que t'allais pas me demander. Bon. C'est-tu épicé? Le porc est vraiment tendre. Un petit peu, pas trop. Okay. Mais parfait. Ok, ok, ok. Wow. Ok, bon, c'est mon tour qui va essayer. So, les amis, je vais écouter d'abord, bien sûr, le riz. Un petit morceau de riz. Ça goûte le riz. Très bien, je pense. Ça goûte le daikon. Ça goûte frais. On va goûter le kimchi. Oh, c'est frais. Oh, ça peut épicer aussi. Sweet and spicy. Ça suffit le nasage. Ça d'abord. Est-ce que c'est chaud? Est-ce que c'est chaud? C'est un peu chaud. Oui. Oh. Le goût est riche. Le fait qu'on a mis les œufs, je pense que ça a retenu le goût épicé. Sinon, je goûte vraiment beaucoup le tofu. Est-ce que vous voulez manger? Si je compare à Concord, le goût est plus riche, je trouve. On peut faire juste la viande maintenant. C'est du porc. Oui, ça goûte le porc. Mais c'est tendre. C'est tendre. Je pense que c'est mieux de le mélanger goûter avec les zucchini, les oignons verts aussi. Ça va prendre plus de goût. Ça te goûte. C'est bon quand l'hiver, quand il fait froid, tu prends les pots, ça, avec ça. Ça te goûte. Je ne suis pas pour rien en fait. Tu vois la peine? Je donne un score de 9 sur 10. 9 sur 10. Ok. Là, j'attends mon poulet frit.
pense que c'est l'un des très bons que j'ai goûté à Montréal. Ouais, il y a beaucoup d'ingrédients. Ouais, ouais. Beaucoup d'ingrédients. C'est bien rempli. C'est pas comme vide des fois. Ouais. Hein. Mmh. Ouais. Bon. Alors, les amis, je vais attendre mon poulet frit. Oh, mon poulet frit arrivé. All right. Okay, sauce sweet. Nice. Thank you. All right. Yes, guys. Yeah. Jamais sans mon poulet frit. Parce que j'adore les poulets frits. Mais ce n'est pas comparable avec le KFC. C'est beaucoup mieux. Donc, ils m'ont donné un peu de d'icon encore. Et bien sûr, il y a la sauce ici. C'était quelle sauce qu'on a pris? Spicy Mayo. Oh, on a pris... le sour spicy. Ouais, c'est ça. Ok, ok. Alright. Je te laisse. Je te donne l'honneur de prendre le premier bouchée. Attends, je vais juste faire un petit... Des petits assiettes. Hein? Des petits assiettes. Oh, yeah. Bah, c'est ça que je vais faire. Mais... Bon. Vraiment, on peut pas mieux faire. En fait, pas trop crunchy. Ah ouais. Mais c'est bon. Tant que ça. Ah. Ok, ok. Comparé à Cocor, ça, c'est quoi le goût? Je pense que c'est un goût plus herbal. Herbal? Oh. Okay. Pas trop épicé. Là, c'est pas supposé, c'est, le, mais c'est, bon, c'est le, l'original. La première est vraiment bonne. Okay. La viande est tendre. Okay. Il est cuit. Intéressant, intéressant. Peut-être la France. Ouais. Sour and spicy. Sour and sweet and spicy. Oh, ouais. Mm-hmm. Hein? Ça ressemble un peu à la sauce de, d'Awa. Oh. Tu sais, quand tu prends le sweet and spicy wings, ouais. Apple wings poulet, mm-hmm. C'est que t'as ça. Ok. Intéressant. Ok. C'est mon tour, je pense que je vais essayer. Je prends ton morceau. Ouais. Avec, t'as dit c'est chaud? Oui, mais prends avec une nappe. Ah, moi je suis carré. C'est chaud. Oh, ok, ok. Je vais essayer. Bon, bon, bon. Je vais l'essayer naturellement. Pour moi, j'aime les choses naturellement. Détruire. C'est chaud. C'est beau, très herbal. Bah, c'est ça, hein. Il y a comme un petit goût. On dirait que l'huile n'est pas trop. Bileux ou trop gras? Non, ah, ok. Ça. C'est fait que le wing, grâce à sa texture, crunchy, sans voir comme un effet lourd. Après peut-être 6 wings, c'est comme. Mm-hmm. Ah, ça a pas l'air trop huileux. Regarde. Je vais essayer la sauce. Oh, ça sent la brûlant, hein. Ouais, je me dis une assiette, ça serait bien. C'est un gros, ce goût. Je demande une assiette. Ouais. T'as vu comment ça sort? Mmh. Très bon. Donc, ça, je donnerais un bon 8.5 sur 10. Ah oui? Parce que c'est pas trop lourd comparé au goût. Imagine si tu vas au poulet frit Kentucky, KFC. Et puis ça, là, c'est huilé, c'est gras. Mais regarde ma main, c'est pas si cool. Pas si huilé que ça. Et la sauce, ça aide à changer un peu de goût. Tu manges naturel. Pour ça, tu fais un chirurgie plastique avec la sauce. Un quoi? Chirurgie plastique avec la sauce.
Comme ça, tu ne te reconnais plus. Tu fermes les yeux. Ouais, tu retiens la marche. Je recommande ici. Ça s'appelle Soupon. Soupon, c'est un Kunawi, Côte des Neiges. Trop simple. So, comment t'as trouvé le restaurant? Moi j'ai adoré ça. Le nom s'appelle Soupon. On a bien mangé. Le sondobu, le tofu, le stew était excellent. Le poulet frit aussi. Le service impeccable. Ils nous ont donné un petit drink de riz. Donc un boisson. Alors, ça c'était très apprécié. Puis aussi ils nous ont dit que oh, prochaine fois si vous filmez, ben, c'est mieux de le dire d'avance. Ça c'est vrai. Mais tu sais, on est dans un lieu public et on fait pas exprès de filmer disons les serveurs ou le owner, donc ils étaient corrects avec ça, c'était juste qu'ils étaient surpris au début. Alright guys, là, on est full, là on va marcher. Alors si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de peser le bouton like and subscribe. So peace out guys, bonne soirée.